été sollicités pour un projet de la ville par le service des sports. Donc, ils viennent là participer aux ateliers de peinture du terrain 3x3 du parc Victor Tuya. C'est un projet de la ville, c'est un projet du service des sports qui a sollicité les enfants pour le choix du dessin. Il y avait plusieurs propositions. Donc, la commission Sport Santé a accompagné de Dianke Bagherassi, qui est stagiaire en ce moment chez nous, qui les a un petit peu orientés sur les couleurs qu'il fallait pour un terrain de basket. Ils ont choisi une couleur un peu foncée, ils ont choisi le motif qu'ils sont en train de peindre aujourd'hui. Et après, on a sollicité tous les enfants qui souhaitaient venir participer pendant les vacances à ces ateliers. Une fois que là, vous imaginez que c'est fait partout, on va venir avec la pâte de lapin, ça s'appelle une pâte de lapin. Et là, par contre, là, il faut bien faire comme il faut. On va du haut vers le bas, dedans, et on vient toucher la peinture. On ne le plante pas dedans, d'accord ? Donc, si vous le mettez dedans, quand vous allez la sortir, ça va. Moi, j'aime bien le petit pinceau pour passer très près des lignes parce que c'est... Il faut être patient et je suis patient, donc j'aime bien. Avec nos collègues, on est en train de peindre un panier de basket 3x3. Je viens avec ma mère et mon père parfois. Je peux me dire que c'est moi qui l'ai fait et je jouerai dessus. C'est unique, c'est bien aussi. Et vous allez faire le clair et on va finir le noir pour qu'on peut finir. Si tu regardes bien, là, ça fait un carré. Ça, là, pour peindre, il ne nous fallait pas des gros groupes. C'est pour ça qu'on a mis plein de petits créneaux pour que le plus grand nombre puisse participer. Ils se mobilisent tout le temps.